accuser une monsieur. Non, ce n'est pas grave. Bonjour, monsieur et madame Moussa. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur. Monsieur, au bon honneur de cette visite matinale, il n'y a rien de cassé, il visite de tout ça. Et je vous, comment vous allez, tout va bien. Comme c'est ma femme qui venait de me mettre le nom. Et à propos de moi, elle me demande à moi ça inscrit ma fille Adam à l'école. Directeur, vous trouvez ça normal, mais vous, ça t'a pas par raison. Est-ce que ta fille Adam à l'école? Écoute, de nos jours. C'est ma fille qui a dit. Non, mais assure-toi. Non, j'allais te frapper quand il est pris dans le Yamabou. Et vous, qu'est-ce que vous faites de ça? Vous êtes de la somme. Monsieur le directeur, cette fille qu'on voit là n'est pas mon bonheur. Il y a le vieux riche qui m'a donné un mec qui veut la prendre en mariage. Ma sœur, si vous êtes de se marier, si peut-être, vous allez achever sa petite. On t'a dit tous les diplômes. Avant du travail. Pourquoi vous serez le dit? Pareil pour ma femme qui, en plus de mes garçons, veut que j'inscrive ma fille Ada à l'école. Ça, jamais je ne le ferai. Écoutez-moi bien, monsieur. De nos jours, les filles ont autant de droits que les garçons. Est-ce que vous pouvez laisser vos filles aller à l'école? Quand elles pourront vous venir, on est plus tard. C'est qui ça, me? Ada, va ouvrir la porte. Micro! Bonjour papa, bonjour la mère, bonjour le, bonjour ma fille. Qui es-tu? Je suis Fatine, la fille de votre mari connu. Quoi? La petite Fatine qui passait devant ma cour pour aller à l'école. Dis papa, c'est moi. Ah ma fille, tombe dans mes bras. Tu es devenu père et tu as grandi au point où tu me dépasses. D'où viens-tu, ma fille? Je viens du Canada. Chez les Blancs? Oui, maman, chez les Blancs. Que fais-tu là-bas? Je suis directrice d'une grande entreprise canadienne. Hein? C'est vrai ça? Oui, papa, voici ma carte professionnelle. Pour toi et toi, ma fille, pour ça. Voilà pourquoi j'avais voulu que tu envoies ma fille Adia à l'école. Ferme ta bouche là-bas. Tu viens, ma fille, ce monsieur. Qui es-tu? C'est la fille. Le fils de la bâtisse, c'est mon mari. Enchanté, mon beau. Bonjour, papa. Comment vous allez? Je vais bien, mon beau. Vous avez des enfants? Oui, nous en avons quatre. Deux filles et deux garçons. Ils vont tous à l'école? Oui, ils vont à l'école. Même les filles aussi? Oui, papa. Elles vont à l'école. C'est chez vous, les blancs là-bas. Sinon, chez nous, ici, seuls les garçons ont le droit d'aller à l'école. Mais ma fille, pourquoi ce retour en Côte d'Ivoire? Papa, j'ai acheté une belle voiture 4x4 à mon père. J'ai bien vous voir pour que vous la louiez de monsieur. La voiture à ton père? Papa, papa. Donc les filles aussi peuvent réussir à l'école? Oui, les filles peuvent aussi réussir à l'école. C'est pourquoi mes chers parents, je vous prie, envoyez votre fille à l'école. Car elles peuvent devenir comme moi. Et même plus, des ministres, des préfets, des ambassadeurs. Encore, vous croyez non? Je t'en déplacer nombreux pour assister à notre petite fête. Vraiment, je vous encourage encore à nous faire confiance. Je vous demande de nous faire confiance. Et nous rentrions dans la nouvelle année en bonne santé. Que Dieu Tout-Puissant vous soutienne. Et qu'il vous donne les moyens de finir la santé de vos enfants. Aussi, j'aimerais rappeler que d'être de retour, vous intéressez aussi aux activités sportives qui vont se dérouler ici. Il y a le championnat au Assur, les enfants peuvent participer. Il y a aussi le karaté, que les enfants ont déjà commencé.
je voudrais que vous inscriviez nombreux les enfants au karaté. Tout ça contribue à l'émergence aussi. Un enfant bien formé contribue à l'émergence. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Et bonne année, bonne et heureuse année 2019. Amen. Son nom c'est Sauvage Juré. Quand je n'ai rien, il pouvoir mes besoins. Son nom c'est Sauvage Rafa. Quand je suis malade, il vient me guérir. Son nom c'est Sauvage ici. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Son nom c'est Sauvage Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Son nom c'est Sauvage Juré. Quand je n'ai rien, il pourvoit mes besoins. Oh, oh, oh. Son nom...